Eh bien, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Ship Graveyard 2. Voilà. Et donc ce jeu, et je l'ai obtenu par le développeur et ainsi que Kay Miller. Et nous allons aujourd'hui aller, merci à eux, merci beaucoup même, et nous allons aller directement sur un bateau que. Une portion de bateau que j'ai acheté et qui est ici, qui m'a été livré. Donc je suis en train de travailler dessus. Donc du coup, il y aura des éléments qui seront enlevés puisque je peux utiliser la grue qui est ici avec un Takiwalki. Voilà, là, je vais mettre ça ici. Je sors de là. Voilà, je peux utiliser la grue qui est là-haut. Donc c'est facile. Vous avez sur le dro à droite de l'écran, vous avez tout. Les numéros, les chiffres pour exemple 2, ben, ça va être le marteau, le 3, ça va être la scie sauteuse, le 4, le chalumeau, le 5, on va appeler Pierrot qui est à la tour là-haut, la grue, et il va prendre certains éléments. Le 6, c'est un grappin, ce qui fait que si je peux, si je peux directement monter à un endroit si je fais comme ça. Voilà. Ce qui permet de. C'est grandement utile. Comparé à avant, on est au jour et la nuit par rapport au jeu d'avant. Le jeu d'avant est un peu plus rustre, un peu plus dur. Il y a du craft, alors que ce jeu-là, c'est constamment, on va dire, du plaisir en fait. Il y a pas de choses contraignantes. Il faut simplement vous apprécier le jeu. Vous allez fouiller, vous allez. Voilà, ce genre de trucs-là, c'est cool. Vous allez avoir des contrats en haut à gauche. J'appuie sur Tab. On voit que Junash, lui, il veut 900 kilos d'acier faible. On voit qu'Acha, elle veut du bois et du fer. Il reste ça. Je lui ai donné déjà tout le reste. Et Madame Sacon, ça n'a pas dû être facile à l'école, elle veut des outils muraux, bouteilles de gaz, enfin oui, de l'or, ce genre de choses. Donc moi, je vais pas tout enlever, c'est pas le but de la vidéo, mais je pourrais. Et je pourrais même faire après enlever tout le bas par l'hélicoptère et tout. Mais je vais pas le faire. Là, on va faire normal. On va. Alors, vous avez ici une lampe, voilà, avec la touche V. Comme Valérie, et U, c'est très utile, c'est-à-dire que si je fais U, je le laisse comme ça, et vous voyez, ça apparaît ici, là, c'est un scanner, c'est-à-dire que le scanner va vous dire sur ce que vous voyez. Là, c'est de l'acier faiblement allié, c'est un alliage faible, là, c'est un allié fortement, un alliage fort, on va dire, donc elle veut du faible, donc le faible, c'est plutôt. Ici, c'est là l'encadrement qui est là. Donc, si je veux enlever l'encadrement, il va certainement falloir que j'enlève ici les points d'attache. Donc, ça, c'est facile. Faire comme ça. C'est pas un tuto, hein. Je le fais là pendant quelques minutes, ça, juste pour vous rappeler. Ensuite, vous avez tout un tas de vidéos derrière. Vous avez l'introduction au jeu 1 et 2, puis un gameplay. Puis ce gameplay-là qui est voilà qui est carrément libre. Clic droit, pof, on fait ça. Il faut passer quand même un peu par le tuto parce que c'est quand même bien. Vous voyez ici ce petit truc-là, c'est alors rien à scanner normalement. Oui, c'est faiblement allié, l'alliage faible en fait. Donc du coup, je prends ceci avec ça. Voilà, vous tracassez pas. Pour l'électricité, des outils, ça marche sans problème. Je vais enchaîner d'ailleurs en parlant d'électricité. Faites très attention. Dans certains bateaux, il y a encore du courant. Donc il faut trouver l'interrupteur pour couper le courant et pas s'électrocuter. Hein, voilà. Donc ça, c'est pas mal. J'ai aussi éventuellement demandé. Éventuellement, c'est pas moi qui décide. Au développeur, j'ai demandé qu'il fasse une petite option damage. C'est-à-dire que si je fais tomber ça et que je suis en dessous, je me prends
je me prends des damage. Ça me fait mal, voilà, parce que je trouve ça très marrant que lorsqu'on la grue emmène quelque chose, il y a des barres de fer qui tombent. Dans la vidéo que j'avais fait en off, j'ai revisionné et j'ai vu, ou la précédente d'ailleurs, j'ai vu la vidéo précédente, vous voyez, la grue, il y a des poutrelles de métal qui tombent. Donc ça, j'aurais aimé que ça me fasse mal et que je dois les éviter. Voilà, ça m'aurait bien... J'aurais mis l'option, si l'option existait, je l'aurais mis. Donc là, on va continuer ici. Donc là, il me fait briser. Donc hop, on brise. Hop, on prend ça. Voilà. Ici, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les explosifs pour le jeu. Vous pouvez casser les murs et après casser la porte juste après. Ça fonctionne aussi. C'est pas utile de faire ça. Après, au bout de 3 séances de jeu, vous allez commencer à reconnaître les éléments. D'accord? C'est-à-dire l'alliage fer, un fort alliage, un alliage léger, ce genre de truc. Et vous allez commencer au gameplay à jouer un peu plus vite en fait. Vous pouvez envoyer des cartons avec la touche. Si je fais exemple, si je prends un truc. Bon, c'est pas grave. Je peux envoyer un paquet avec la touche 1. Je peux envoyer un paquet comme ça en cliquant à droite. Ou je peux l'envoyer directement en cliquant sur la lettre A. Voilà. Ou Q en fait, quand vous êtes en QWERTY. Et ça envoie direct. Vous visez même pas, vous faites ça et hop, ça envoie directement. Ça, c'est bien. Là, on voit que c'est du plastique, voilà, parce que le plastique est bleu. Donc, du coup, vous savez déjà que c'est du plastique. Mais le truc qui est bien dans ce jeu, c'est que si vous défaites ça, vous ne pouvez pas passer après au-dessus. Il n'y aura plus de plateforme. Donc, faut quand même avoir une certaine. On est en mode un peu tranquille, mais il faut quand même avoir une certaine logique quand on démonte les choses, parce qu'après, on n'a plus accès à certaines choses, et donc, du coup, ça devient bah, plus contraignant. Alors après, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a le grappin. Oui, effectivement, il y a le grappin. Pouvez utiliser le grappin. Cela dit, je n'utilise pas le grappin tout le temps, voilà, parce que bon, c'est bien, mais c'est pas du gameplay dans Assassin's Creed ou autre chose. Oui, je veux bien, ou dans un autre jeu, dans comment il s'appelle ce jeu. Il y a un jeu qui est excellent qui s'appelle. Oh, je mettrai le titre en bas. Vous avez un grappin comme ça. C'est pas fief, non, mais c'est un truc comme ça. Là, vous avez. Voilà, là, vous pouvez grimper aussi comme ça aux échelles. Voilà, et vous pouvez démonter ici. Donc là, on va le faire. Avec ça, on va arrêter le truc. Voilà. Là, il faut bien le placer, sinon, ça marche pas. Il faut être juste sur le bord. Vous avez un point blanc qui vous montre comment. Là, ça, vous pouvez le faire là. Alors, quand je vais démonter ce truc-là, ça va tomber. Donc, après, à moi, aller les chercher, quoi. Il faut vraiment tomber sur le. Voilà. Maintenant, je peux faire ça. Et normalement. Ah, on peut pas encore. Ah, parce qu'il faut là-bas. Ok. Ok, non, ah, ça aurait pu tomber. Hein. Donc là, si je veux descendre, eh bien, je fais normalement ça, non? Ça marche pas vers le bas? Hors de portée. Ok. Hop, voilà. C'est très très sympa. Il n'y a pas de dégâts de chute en fait. Il n'y a pas de dégâts de gravité. Donc du coup, ça enlèverait un petit peu. Ça enlève un peu de gameplay. Moi, j'aurais bien aimé me faire mal si bah, je tombe ou voilà ce genre de truc. Mais je pense qu'ils vont le rajouter. Cela dit, je leur ai dit, ça serait bien d'avoir un mode en plus comme ça. Vous avez un truc aussi qui est bien. J'ai acheté avec de l'argent donc du jeu. J'ai acheté ceci, donc je peux très bien faire péter des choses. Donc exemple, si je fais ça. Voilà, je viens ici et je fais sauter tout ce truc.
Voilà, normalement, vous pouvez acheter, voilà, là j'ai bon, j'ai gagné du temps ou pas, je ne sais pas, mais je l'ai fait. Voilà, et après vous pouvez prendre les choses et voilà, vous pouvez vous amuser à, si vous avez des sous après, à faire péter plusieurs choses en même temps. Hein. C'est vous qui voyez. Là j'enlève ça, il faut savoir que pour enlever un panneau, il y a les attaches. Et une fois qu'on a fait les attaches, en dessous vous avez encore des trucs là, et vous avez ici des attaches internes. Voilà. Et hop, là aussi. Alors ça, je crois que c'est de l'acier. C'est quoi de l'acier? Il n'y a pas marqué. Je crois que c'est acier faible ou fort, un des deux. Une fois que c'est comme ça, on prend ça, on fait ça. Logiquement, là, ça devrait. Pas encore, mais voilà. Vous pouvez après, bien sûr, augmenter la quantité de poids que vous pouvez transporter. Vous pouvez augmenter l'efficacité du marteau, etc. Ce genre de choses. Ça vous l'augmentez. Vous achetez des plans en fait. Et après, vous pouvez demander à le faire en fait. Il y a des boutiques exprès qui vous proposent ça. Moi j'ai un marteau normalement niveau 2, donc voilà. Ça me plaît beaucoup de faire ça, j'aime bien. Ok. Donc là voilà, vous avez été exemple, les demandes, ça c'est bon pour. Alors ça c'est la demande, ça c'est fait, ce que je devais faire. Achat, il lui manque du bois et du fer. Et elle, il manque de l'aluminium, donc on va déjà faire ça. Donc on va chercher de l'or là. Il doit y avoir de l'or à quelque part. On va prendre ça, c'est du plastique. On va aller là. Je peux le faire de loin, c'est le truc. Là, si je fais ça, normalement, il va le faire tout seul, tu vois. Il envoie tout seul. J'appuie sur Q, il envoie tout seul. Et là, maintenant, on va voir où il y a de l'or, parce qu'apparemment, il y a de l'or sur le bateau. Attends. Mince. Il y avait un gros conteneur aussi que j'ai dû renvoyer par la grue, ça c'était sympa. Oh, il y a deux machines à enlever là, vous voyez? Deux machines, il va falloir que j'explose tout le haut là. Ouais, je sais pas si je peux d'ici. Ouais, je peux. Attends. Non, non, putain. Oh, purée. Attends, je vais aller chercher. Il n'y a pas de dégâts de chute, hein, voilà, donc ça vous l'avez compris. Alors soit on prend avec ça, soit je peux plus. Pourquoi je peux pas? Ah oui, voilà, parce que j'étais mal. Ok. Y a là, tu vois, il y a une machine, il y a trois machines, celle-là et deux autres là-bas. Celle-là, il faut que je défasse tout ça là-bas. Et après, je la fais monter. Quoique ça serait possible de le faire. Attends, on va revenir. Il faut que je démonte ici. Vous n'êtes pas obligé de tout démonter en fait, hein. Vous avez un contrat. Voilà, il se trouve que dans la machine, s'il faut, il y a de l'or, hein, peut-être. Parce qu'il y a une carte électronique ou un truc comme ça, donc ça fait de l'or. Là, on va enlever ça. On va prévoir de. On va pas faire tout le gameplay. La vidéo va pas être trop longue. Je vais essayer de faire au moins partir une machine. Ça sera une vidéo comme ça. Pour vous montrer en même temps. Ça c'est bon, je peux faire ça, je peux en profiter. Ok, si je veux maintenant faire sauter ça, je peux le faire aussi. Hein. Donc là, je viens là et je peux très bien mettre ça, mettre une charge ici. Voilà, faire sauter. Voir ce que je peux faire avec ça. Voilà, tu vois, et je gagne un peu de temps, on va dire. Pas beaucoup, mais un peu. Là, je vais faire sauter ça. C'est pas tout parce qu'en fait, en haut aussi, il faut, tu vois, il faut que la machine, elle monte. Elle va être tractée par la grue. Donc, du coup, je trouve que c'est sympa. Tu vois, j'y rejoue. J'ai fait une playlist d'ailleurs dans ce parce que je trouve le jeu agréable en fait. L'ancien était vraiment plus dur, hein. C'était pas pareil. C'est pas le même challenge en fait. C'est pas la même approche. Je veux dire que l'ancien était.
c'est exagéré. L'ancien était presque RP, quoi. Presque. Comparé à celui-là, ouais. Là, on a déjà tous les outils. Après, par contre, on peut les augmenter, on peut les améliorer, hein. Mais je pense que vu le jeu, ils ont bien fait de faire ça. Parce que tu tombes vite. Alors après, il y a des furieux, ils vont faire. Ils préfèrent le 1 parce qu'ils vont tout faire eux-mêmes, voilà. Mais si tu veux jouer comme ça, et si tu veux apprécier, je pense qu'ils ont bien fait de faire comme ça. Parce qu'à la fois, on fouille, on démonte, on est content, on a les outils qu'il faut, voilà. Plutôt que de pas avoir les outils, de recommencer à zéro, voilà. Après, l'autre, ce que j'aimais bien dans le premier, c'était qu'on pouvait crafter des choses avec les matériaux qu'on avait. Ça, c'était pas mal. Après, dans ce jeu-là, le 2, ce que vous prenez, vous allez le faire recycler et c'est vous, avec la machine, il y a un petit jeu, vous devez mettre les boîtes bleues avec le bleu, les conteneurs bleus, voilà. C'est un jeu, bon, on dirait un peu Guitar Hero, mais voilà, c'est pas violent, quoi. Pas violent. Mais il n'y a pas de craft, je n'ai pas vu de craft proprement dit, quoi. Voilà. Comparé au 1, le 1 il y a du craft, là il n'y en a pas. Enlever ici. Et là, c'est qu'une petite partie, hein, parce que il y a d'autres. Après, vous achetez d'autres bateaux. Vous pouvez évoluer. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir démonter parce que vous n'avez pas les outils pour quoi, tu vois. Mais là, ils tiennent quelque chose là. De toute façon, là, les développeurs, ils tiennent un bon jeu. Et tu vois, t'appuies sur Q, le fait direct. Et il suffit qu'ils vont le suivre, hein, le jeu, tout ça, ils vont faire les mises à jour. Et s'ils rajoutent les dégâts, ça serait le top. J'aimerais bien que quelque chose tombe et puisse casser autre chose, tu vois. C'est ça que j'aimerais. Là, je fais cette vidéo pour que vous voyez un petit peu le gameplay avec la grue, parce que là on va y arriver, donc voilà. Puis la surface a cassé et un peu plus sympa que les deux autres. Là j'ai mis un peu. Alors les surfaces coûtent, ça j'ai payé 20$ pour avoir cette épave là, ce morceau d'épave, j'ai payé que 20$. Donc du coup c'est pas très cher en fait, ça que je veux dire. Ça marche pas. Ok. Tu vois là, exemple, tu vas me dire, bah là, je vais me servir de ça. Parce que c'est bien plus pratique pour le faire. Pour le faire plutôt que monter. Voilà. Et ça, j'aurais aimé l'avoir après. L'avoir au début, bon, c'est un tout petit peu. J'aurais aimé où le trouver. Un truc caché, voilà, le trouver. J'aurais bien aimé trouver les outils, mais cachés en fait, plutôt que de les avoir d'un coup. Après, au troisième fois que vous jouez, la troisième épave, même deuxième, hein, les outils, vous savez pourquoi vous utilisez cet outil-là et pas l'autre. Ça, vous le savez après. Hein, il n'y a pas besoin. C'est simple. Hein. Le tuto là-dedans, franchement, le jeu est bien foutu, il est intuitif. Donc, vous tracassez pas. Hein. En plus, c'est en français. Donc, pourquoi pas. Enfin, il y a d'autres langues, hein, mais. Et c'est en haut à gauche, là, c'est validé uniquement que lorsque c'est dans le camion, en fait. Lorsque vos trucs sont dans le camion. La touche Q, elle sert que vous n'avez pas besoin, vous voyez.
Sinon, je devrais faire 1 et envoyer. Et là, si je suis en 2 et que je veux envoyer, j'appuie juste sur Q. Et c'est bon. Et ça me remet le marteau, en fait. C'est beaucoup mieux, d'ailleurs. Vois, je prends ça, là, comme ça. Je sais pas si tu peux. Non. Ah, pour prendre, oui, pour prendre. Sinon, vous êtes obligé de... Il veut pas? Bon, vas-y, fais ça. Ah, il veut pas. Ah, j'étais pas assez proche. Ok. Je sais pas si on est limité en temps, ils auraient dû faire un jeu comme ça où on a le bateau pour une certaine durée de location et il faut aller vite. Enfin, faut pas traîner quoi non plus. Là, je sais pas si c'est bon. Ça devrait être bon, je pense. Vous allez voir toutes les petites tiges là, elles vont tomber après. Donc là, je fais ça et je vais appeler Pierrot. Pierrot, tu peux descendre s'il te plaît. J'ai quelque chose à prendre. Merci. Ça va signer l'arrêt de la vidéo. Fin de la vidéo, voilà. On va essayer de monter quand même sur la charge, ce qui m'étonnerait que ça fonctionne, mais on va essayer. Ah, il m'attend, il lève pas en fait. Regardez, il y a les trucs qui tombent. Ça, j'aurais bien aimé que ça me tombe sur la gueule en fait, et qu'il fasse faire attention, il faille faire attention à ça quoi. Alors là, vous pouvez voir ici que ça va tomber là-bas. Où on doit aller après, et en fait, vous allez voir que ça va me rajouter du métal, du fer, du bois, quelque chose en haut à gauche, tu vois. Voilà, l'aluminium c'est fait, donc il y avait beaucoup d'aluminium, il vous le dit, hein, tu vois. Ressources, voilà ce qu'il a pris, et ça m'a fait du bien, quoi. Voilà, j'ai encore du fer et du bois à prendre, donc le bois c'est facile. Le bois, c'est des fois entre les dans les faux plafonds ou dans les murs. Il y a celle-là aussi à prendre. Donc là, il faut que je coupe ça et que je continue. Voilà. Ça, je trouve que c'est sur le gameplay, il n'y avait pas ça avant. Je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir fait ça. Alors vous avez une démo, hein, si vous n'avez pas lu la description, pensez à lire la description que je fais. J'essaie de faire bien, donc si vous voulez un peu regarder, bah, tant mieux. Alors ils pourront pas, il faudra enlever ici. Attends, on va mettre comme ça. Ah, un peu, ok. Ici. Ouais, au moins voilà, ça, dans les descriptions, vous avez le lien pour aller voir Steam, vous avez les informations pour la démo. Parce que des fois, il y a des jeux qui sont en démo, donc du coup, là, il y a une démo actuellement, donc elle est gratuite. Ça, c'est le jeu entier, hein. Voilà, ce que vous voyez là, c'est le jeu entier. Donc si vous souhaitez un challenge plus dur avec du craft, c'est plutôt le 1. Si vous souhaitez prendre du plaisir en démontant des trucs, en fouillant, en augmentant vos outils de qualité, ce genre de choses, avec un jeu sur lequel vous allez revenir dessus. Le 1, peut-être vous allez moins revenir dessus parce que ben c'est lent, c'est pas, vous n'avez pas les choses tout de suite. Donc du coup, ça peut rebuter certains. Voilà. Hop. Là, ici, ils ont fait vraiment un gameplay très convivial. Il est où mon camion? J'aurais dû mettre les phares à mon camion, tu vois. Normalement, je fais ça d'habitude. Mais là, il est là-bas. Alors, vous pouvez rater aussi. Là, ça va direct, mais si ça touche un truc, ça fait n'importe quoi après.
Qu'est-ce qu'il y a? Je devrais... Ah, c'est peut-être ici. Je sais pas où est-ce qu'il est là. Non. Ah, c'est... Oui, c'est ça, mais... Ok. Sais pas si d'ici je peux. Ça m'étonnerait. Hop là. Vous avez aussi dans le même, enfin pas le même thème, mais Graveyard Simulator aussi, qui c'est Gas Station, Gas Station, et Gas Station Simulator, Gas Station, voilà, qui s'est mise à jour et qui est aussi très très sympa. Et ça, ce jeu-là, là, ce que je joue, c'est Ship Graveyard Simulator 2. Je rappelle que sur le 1, il n'y a pas. Je me répète un peu, mais sur le 1, il n'y a pas de co-op. Il n'y a pas de co-op, hein. C'est du solo, hein. Il faut bien aussi penser à ça. Sur le 2, vous avez de la coop, ce qui peut être pas mal. Et à mon avis, le jeu va être plus ouvert sur le 2 que sur le 1. Alors, je n'ai pas trouvé encore de coffre-fort, d'argent ou des trucs comme ça. Alors, peut-être qu'ils vont le faire, mais ils l'ont fait peut-être plus subtilement. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait une limite au coffre en fait. Ah, il y a du bois là, tiens. Ça, on peut le prendre que par la grue, par le haut. On va faire un deuxième et après on arrêtera. Ça fait, on est à 27 minutes. On va envoyer un petit peu tous les. Ok, on va mettre ça. Donc il y a tout un truc pour faire ça. Alors, des fois c'est caché un peu, hein. J'ai été surpris dans une dans la dernière épave que j'ai fait. Il y avait un truc caché en fait. Un petit moteur. Eh ben, ça va aller. Franchement, ouais, voilà. Vous voyez qu'on peut, on peut rater aussi. Attends, je vais essayer de là. C'est marrant en fait. Non, non, non. Oh purée. Alors attends. Un vrai Spider-Man. Hein. C'est bien parce qu'il y a de la hauteur. Ça, c'est plutôt cool dans ce jeu. Là, c'était bon. Il y a quoi après en bas? Ok. Ah, le moteur, c'est en bas. Hein. Ouais, c'est un moteur en bas. Ouais, c'est ça. Alors pour le, attends, je pense pas que je puisse le prendre maintenant. Vas-y un peu. Ah oui, peut-être. On va essayer. Pierrot, tu peux venir s'il te plaît? Il y a une... quelque chose à prendre. Eh, petit, viens. Il fait pas? Je veux pas? Ah, il veut pas, il veut pas. Il ne sent pas le Pierrot là. Bon, ok, d'accord. Je peux jouer. Merci.
J'étais sûr que ça allait merder. J'étais sûr. Avant d'aller recycler, revendre, pensez à prendre pour aller vendre avec vos les pièces pour les contrats. Hein. Sinon, vous n'avez plus rien à voir et ça va peut-être pas le faire. Hein. Là, il manque encore des trucs, et eh oui, c'est ça. Encore tous les panneaux là-haut, là. Oh purée. Voilà. Je sais que ça marche pas, je le savais. On va abattre ce truc-là, vous voyez, on va se faciliter la vie. Alors à ce moment-là, là, ici, quand vous faites comme ça, je vais vous montrer. Il y a une petite astuce de gameplay. Voilà. Là, vous pouvez cliquer à droite, directement, vous avez le marteau et vous brisez. C'est-à-dire que si je veux briser, je fais ça. Là, j'appuie sur 1 ou 2 et j'ai le marteau et je brise. Ou alors, vous êtes en mode 6 sauteuses et vous allez cliquer à droite et il prend directement le marteau, mais il remet la 6 sauteuse. Tu vois? Ce qui est pas mal. Là, je sais pas pourquoi ça part pas. Ah, parce qu'il y a ça. Est-ce qu'on peut peut-être là. Ok, mais là je peux rien envoyer là. Il faudrait que je fasse ici. J'aimerais bien que ça parte. Ah, c'est bon là, non? Toujours pas? Je pense que ça va partir là. Ça c'est du métal fort, fort, enfin fort alliage. Ben voilà, parfait. Donc du coup on peut s'arranger comme ça, tu vois. À deux, ça doit être sympa. Donc ça c'est bon. On voit qu'il me manque encore beaucoup de choses. Or l'or apparemment on l'a pas trouvé. Je sais pas où ça se trouve, mais ça on va laisser pour l'instant. Là c'est bon. Ok. Donc il y a lui, ah oui, donc du coup il y a ça qu'il faut que je fasse partir, ça. Est-ce que c'est, il y a ça aussi, mais non, je dois faire partir pour faire passer le moteur. Ah, c'est bien. Normalement, on part peut-être là, on va voir. Voilà, j'aurais dû avoir des blessures. Normalement, ça devrait me faire des blessures. On va attendre. Vas-y. Alors, des fois, vous allez les prendre avec ta souris de gauche. Des fois, vous pouvez faire E. Ça dépend.
Ok, est-ce que c'est pas mal là, non? Tu vois, là, j'ai fait E par exemple. Là, je fais clic droit. Bon, on va voir si c'est bon. Je vais appeler. Ça m'étonnerait. On va voir. Non, tu vois, c'est pas bon. Quand tu cliques, c'est pas bon. Enfin, quand tu cliques, quand tu vois comme ça, c'est que c'est pas bon. Donc là, du coup, on va enlever ça. On va refaire ici maintenant, voir si ça fonctionne. Toujours pas. Parce qu'il doit y avoir des trucs qui gênent en fait. Si vous n'avez pas le bon outil en main au moment où vous voulez détruire, ça marche pas. Tu vois, j'avais encore un truc à défaire, mais apparemment c'est passé. Tant mieux. On va voir si c'est bon. On va pas faire péter, non. Je pense que. Qu'est-ce qui gênerait en fait là? Pourquoi ça passerait pas? Je vois pas trop le truc. C'est-à-dire que ici, là, il faudrait que j'enlève ça. Ouais, on va voir ça. Oh putain, j'ai du bol. J'ai du bol. Je pense que ça va passer là. Ok, on va voir si c'est bon. Non, toujours pas. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui peut gêner en fait? Normalement, ça devrait, hein. Moins que ça soit ça ici. Peut-être qu'il y a un côté ouvert, je sais pas. Ouais, non? Ah, c'est presque bon.
Là, il voudra pas. Il peut pas atteindre le chargement. Ça passera pas. Ça passera pas. Voilà. Pareil, il peut pas attendre le chargement. Comment ça fait? Allez, oh là là, misère. Ah, c'est ici. Ok, c'est ce côté-là, donc le deuxième. D'accord, juste en haut en fait, là. J'ai pas eu besoin de trop là, ça doit être bon là. Non, toujours pas. Quand tu veux, hein. Enfin, si vous n'arrivez pas à atteindre un endroit, bah vous démontez et puis on y arrive. Alors normalement là, je pouvais penser que ça va, mais bon, on va voir. Je ne sais pas. C'est ici, ouais.
Alors, est-ce que c'est bon? Toujours pas. C'est bizarre. On va essayer. Toujours pas. Bon, je pense que ça doit être ça. Donc on va monter au 1, deuxième, l'autre côté. Ici. Je pense que c'est ça. On va voir si c'est ça normalement, ça doit être bien. Et on est à 46 minutes quand même. C'est un jeu qui prend beaucoup de temps sur les. Vous comptez déjà. Une heure et demie par quand on est comme ça en train de fouiller là, compter une heure et demie. Hein. On va appeler là pour c'est ouais c'est bon. Non? Il me semblait. Hein. Vas-y. Pierrot, tu peux venir ou pas? Ouais, je crois pas. Je crois que Pierrot là il est un peu dans le vent. Hein. On va faire ici. Par contre, il y a de l'or là, j'ai toujours pas trouvé. Hein. J'ai pas d'appui. Ouais, mais bon. On va essayer de détruire ça. Ça passe, non? Ok. On va réussir à le sortir, ce moteur. Il y en a deux comme ça. Donc là, j'en ferai qu'un. Bon, le but, là, c'est de vous montrer... voilà. C'est ça, le but. Y a pas? Ça marche pas? Super. Oh, ça marche. Toujours pas. Ah, il me dit que c'est ça. Il m'a montré. En fait, vous cliquez sur le truc et il vous montre ce qui va pas. Donc, c'est de là. Ok, ah, je savais pas ça. Tu vois. Donc, c'est derrière. Oh. On va prendre ça. C'est derrière, en fait. Donc, c'est ça. Hein. Et on clique. Tu vois. Merci, Pierrot. Donc, là, on va faire ça. On va essayer de se dépêcher. Après j'ai récupéré les métals, hein. Ça part pas comme ça quand même. Hein. Et il y avait ici là, de ce côté-là. Je n'ai pas de stamina, hein, donc n'êtes jamais fatigué.
Là, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a le haut aussi, parce que sinon ça va monter, ça va bloquer. Ok, super. Ah, il y a ça. On va voir si c'est bon, si on va voir. Appeler. Non, tu vois, il manque là. C'est la plateforme ici et là-bas. Ok, ça roule. Là, on va attraper le bois là pour l'autre, pour achat. À moins qu'il y ait de l'or dedans, je ne sais pas. Peut-être dedans c'était un passage. Ok. Ici on va virer ça. Et on sera bon. On vire la porte, le sol là et c'est bon. Où est-ce que c'est? Ici. Ça doit être bon. Allez, on va. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah, putain, c'est le haut. Oh là là, oh, on n'a pas fini. Hein. Ouais, on n'a pas du tout fini. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais arrêter là parce que je peux pas. Voilà, on fait 1 heure de vidéo. Il y aura la suite. Hein, voilà, si ça vous intéresse. Il y aura la suite sans souci. Là, je vais pas dépasser. Ouais, je vais difficilement dépasser 1 heure. On va aller là. Oui, allez s'en douter. Allez s'en douter. Attends, est-ce que je peux aller par là? Ici. D'accord. C'est tout ça là qu'il faut virer. Mais là, ça va être chaud. Là, il va falloir le. Je crois que c'est le chalumeau ici. Non, c'est pas ici. Alors. Ouais, parce que sur toute la hauteur. Okay. Ça m'embête de pas finir sur la vidéo là, sur la grue. Je vais essayer de faire vite, mais. Alors du bordel. Hein. Thank you.
Kickboxant. Misère. Voilà. Et là, je suppose que il va en falloir encore. Si je fais ça, à mon avis, c'est pas bon. Non, ça va bloquer. Tu l'as? Ah oui, je m'en doutais de ça. D'ailleurs, purée de Brest. Oh putain. Attends, on va enlever tout ça. Ah, y'a là. Ça, j'ai gêné ça. L'électricité, c'est pas mal aussi, hein. Il y avait de l'électricité ici. J'ai dû couper le. Comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment pas mal ça. Parce que vous voyez l'électrique et tout. J'en étais pas aperçu au départ, mais je pense que je me serais fait électrocuter. Là, ça veut dire en haut aussi, alors du coup, je vais voir. Si j'appuie là. Ouais, tu vois, il me dit les deux ici. C'est. Ouais, c'est pas possible. Il va falloir. Vous voyez pourquoi il faut pas tout casser? Parce qu'après, on peut plus. On est embêté. Donc là, je sais même pas où c'est. C'est ici. Ça doit être là. Oh putain, comment je vais faire? Comment je vais faire? Oh misère, regarde le truc où il est. C'est impossible. Enfin, ça va être. Purée. Ah, tu sais quoi? Attends. Non, j'ai mieux que ça. Ouais, je crois, ouais. Tu peux pas? Attends, on va juste descendre là. Allez. Ah, il faut la mettre. Bah là alors. Tu ne peux pas mettre placer l'explosif ici. Oh misère. Bon bah tant pis. Ça aurait été super cool. Briser tant que tu peux. Ouais. Oh la vache. Oh putain. Attends. Putain, c'est. Oh malheur, mais où je suis là? Santé. Ah ouais, d'accord. Attends. Oh putain, ça fait travers de l'extrême. Il voudra pas. Faut que je saute de là à là-bas, mais ça va être trop chaud. Ah! Oh, bravo. Bravo. Franchement. Allez, ça va être bon là. Ah, il y en a deux. Attends. Je suis à côté. Quoi, il y a encore? Non, c'est bon. Ah, il y en a une de l'autre côté en fait, ça doit être ça. Pour briser, attends, vas-y. Ok, pour briser. Oui, celle-là, oui, mais il en reste. Misère. Ah, il en reste une ici, là. Oh là là, le box. Oh, le boxon. Oh, bizarre. Alors, attends, on va faire la dernière. Je peux pas quitter la vidéo comme ça, c'est pas possible. Attends, mais c'est quoi ça? Ah, tiens aussi, hein. C'est impossible de finir. Je voulais me barrer, mais c'est pas possible. Oh, quel truc. Ah, il y a du gameplay, hein, il y a du gameplay quand même. Ah, vas-y. Voilà. Qu'est-ce qui. Du coup, c'est quoi qui. Attends. On va voir. C'est quoi qui bloque? Ah, c'est bon. Pierrot vient chercher le truc. Je vais faire avant que je fasse une dépression. Merci. Attends, on va tout mettre comme ça. Parce que là, il va falloir que je fasse ça. Faut que je. Voilà, avant qu'il arrive. Hein. Parce que tout va tomber en fait. Vous allez voir, tout va tomber. Tout ce qui est attaché, regardez. Ça tombe.
J'aurais bien aimé que ça fasse mal, ça. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il y ait des dégâts. Tiens, je savais même pas qu'il y avait ça. Bon, ouais, c'est bon. J'ai fini mon let's play. Hop. Après, là, je pourrais casser ici, hein, si je veux. Voilà, il y a un truc à par terre, là, j'ai vu. Et là, il m'a rapporté plein de trucs, là. Voilà. Du coup, tu vois, il m'a rapporté... Et j'ai pas fini encore, hein. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Hein. Je trouve le jeu super cool. Et... On va se mettre... Ah, j'avais encore des trucs à moi, là. Oh, là! D'accord, attends. Non, ça marchera pas. On peut pas, attends. Voilà, il y a une certaine distance. Ouais, une certaine distance. Bleu, vert c'est bien. Bleu, ça va. Ok. Je savais pas, je peux pas finir sans. Voilà. En étant comme ça, donc là, je fais ça. Du basket. Et oui, l'équipe, oui, tout à fait, c'est super, c'est magnifique. Oh, dunk! Oh là, mon Dieu! Ah, putain, la mer ratée! La ratée. Le camion, il est grand parce que franchement, j'ai tout rempli presque. Allez, c'est la fin. Donc voilà, là je pourrais déjà aller faire ça et récupérer des choses, mais pour l'instant je vais rien faire. Je vais tout prendre ce qu'il faut et voilà. Je me remets à l'image de fin où j'étais et on va faire une petite photo. Voilà. F12 et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette super vidéo. Salut, ciao.